Faudrait le commercialiser en tant que défi, ça. Il faudrait mettre des rondelles de piment dedans. Et celui qui arrive à le manger, il est content. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations. Et aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire, un invité très spécial. J'ai nommé Mathieu Lochanski. Mais dis-moi Mathieu, qu'est-ce que tu n'aimerais surtout pas manger aujourd'hui? S'il y a un truc que j'aimerais pas manger aujourd'hui, c'est du piment. Oh bah mince alors! Aujourd'hui mes amis, nous allons déguster le High Zombie Burger. Mais avant, le High Zombie Burger, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, le High Zombie Burger est un burger à base de cervelle et de sauce extrêmement pimentée. Inspiré d'une série américaine qui s'appelle High Zombie. Olivia, appelée Liv, est une étudiante en médecine transformée en zombie à la suite d'une soirée sur un bateau qui a mal tourné. Aujourd'hui, Liv est médecin légiste et ce métier lui permet de calmer sa terrible faim en se nourrissant de cerveaux de personnes mortes. Et comme consommer des cerveaux humains dans la série lui fait revivre des visions et le moment de la mort des victimes à qui elle consomme le cerveau, Liv décide d'aider la police criminelle à résoudre des affaires tortueuse et complexe. Cette série policière est humoristique et intègre dans plusieurs épisodes des séquences cuisine où Liv réalise des recettes colorées et sympathiques à base de cervelle humaine et de piment très très fort. Il faut également savoir que le piment dans la série est l'un des rares goûts que les zombies arrivent à ressentir et le High Zombie Burger fait partie d'une de ces recettes. En voici la réplique revisitée, Made in Popcorn Studio. Bon. Tout d'abord, Mathieu, comme tu m'as invité sur ta chaîne pour faire une vidéo avec toi, je voulais faire quelque chose d'inédit dans cette émission. Je voulais te faire un petit amuse-bouche. Alors, je te laisse goûter cette petite cuillère qui est donc un carpaccio de cervelle avec une sauce piquante faite maison Made in Popcorn Studio. Et autant vous dire que cette sauce piquante, c'est pas une sauce piquante de p***. J'ai vraiment pas envie. Allez. Putain, ça pique. Moi, il y a une espèce de truc pimenté qui remonte partout dans mon corps. Eh bien, cet amuse-bouche n'était pas du tout une bonne idée. Maintenant, dégustons le High Zombie Burger. En vrai, c'était pas si mauvais. Mais par contre, là, il faut de l'eau. 5 minutes later. Je te présente le High Zombie Burger avec sa sauce ultra piquante Made in Popcorn Studio. Alors maintenant, sans plus attendre, dégustons ce truc. C'est parti? Ouais. Alors, on va juste couper ça en deux, voir ce que ça donne. Oh là là, c'est un massacre. Ok. Alors c'est bon, mais ça chauffe. Oh. En fait, ça se mange grave bien. Ah ouais? En fait, la cervelle, c'est pas si dégueu. Le seul problème, c'est la texture. La texture, elle est abominable. Et par contre, le piment était archi fort. Enfin, j'ai rarement mangé aussi épicé. Et sachant que je ne mange jamais épicé parce que je supporte pas ça. Attends, ça manque un peu de... Donc si je peux vous donner un conseil, le ketchup épicé c'est pas top. C'est pas top. Ça fait mal. Mais il est super bon ce ketchup. Non, après, il est fait avec amour, bon. Passion, bonheur et joie. Et piment. En fait j'aimerais bien vous faire des blagues marrantes pendant qu'on déguste. Mais le problème c'est que j'ai trop mal. C'est trop dur, mon cerveau ne fonctionne pas. Je suis en train de fuir du nez sans déconner. Je transpire du nez. Je pense que dans quelques heures, il va se passer quelque chose d'énorme. Je vais chier en spray, mais ça va être phénoménal. Non, là, moi, je peux plus, là. Finis-moi ça, et tu trempes tes petites rondelles de cerveau dans le piment. Mais t'es un malade, moi. Mon pouce bleu pour nous soutenir dans notre douleur. Parce que ça fait mal. Je m'agrageais... Ah, qu'est-ce que je fous là?
Et voilà, l'épisode est terminé. Un grand merci à Mathieu Lochanski de sa participation. Je voudrais également vous demander de partager cet épisode un maximum sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. J'aimerais qu'on essaye d'exploser un peu les records de partage et de visibilité sur cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao !